Boisson pour perdre 8 kg en 2 semaines. Perdre les kilos sainement et durablement ne peut se faire qu'à travers une alimentation saine et la pratique régulière d'un sport. Mais certaines astuces naturelles peuvent aider à booster le processus. Voici une boisson pour accélérer la perte de poids. Perdre du poids est une tâche difficile et qui nécessite un changement radical de mode de vie et d'habitude alimentaire. Pour y arriver, il est très important d'adopter un régime équilibré, où les aliments transformés n'ont pas leur place, mais aussi de faire du sport régulièrement. En parallèle, certaines recettes naturelles peuvent être d'une grande aide pour atteindre vos objectifs. Ingrédients. Une tasse de chou kale, 2 feuilles de bétacarde, 1/2 tasse de persil, 1/2 tasse de betterave, 1/2 tasse d'ananas, 2 pommes vertes moyennes, 1 brin de menthe fraîche, 1/2 citron pelé. Préparation. Placez tous les ingrédients dans un extracteur de jus. Vous pouvez également utiliser un mixeur, mais dans ce cas, ajoutez un peu d'eau. Buvez cette boisson tous les matins pendant 2 semaines. Vous pouvez renouveler la cure 2 à 3 fois par an. Pourquoi cette boisson est efficace? Le citron est un allié minceur de taille. Grâce à sa richesse en vitamine C, cet agrume permet non seulement de renforcer le système immunitaire mais aussi de booster le métabolisme pour stimuler la combustion des graisses. Le citron renferme également des pectines, des fibres alimentaires qui offrent une sensation de satiété durable et réduisent l'appétit. Le persil est un diurétique naturel qui aide à éliminer les toxines et peut, de ce fait, être utile pour traiter les infections urinaires. Il est aussi riche en nutriments, minéraux, vitamines et antioxydants. Le persil améliore la digestion, soulage la constipation et a des propriétés carminatives, c'est-à-dire qu'il favorise l'évacuation des gaz et prévient ainsi les ballonnements. En outre, le persil est très prisé pour perdre du poids, puisqu'il contient beaucoup de fibres qui ont un effet rassasiant, ce qui diminue les envies de grignoter. La pomme est souvent le fruit qu'on associe le plus à la perte de poids. Elle est riche en antioxydants, en vitamines et minéraux indispensables au bon fonctionnement du corps. Les pommes sont donc très nutritives, sans être pour autant caloriques. En effet, elles sont très faibles en calories et comprennent beaucoup de fibres alimentaires. Les pommes sont particulièrement riches en pectine, qui prolonge le sentiment de satiété et diminue l'appétit. Contact de l'eau, la pectine gonfle et forme une sorte de gel visqueux qui va capter les sucres et les graisses consommées. L'ananas. Ce fruit exotique appétissant possède d'importantes vertus amincissantes. En plus d'être très riche en nutriments, calcium, potassium, manganèse et vitamine, et en antioxydants, l'ananas contient beaucoup de fibres alimentaires qui aident à réduire l'appétit, et est très pauvre en calories. Ce fruit est également un excellent diurétique qui aide à éliminer l'excès de liquide dans le corps. Il contient une enzyme, la bromélaine, qui facilite la digestion et brise les grosses protéines. Beaucoup plus connu aux États-Unis, le chou kale a le vent en poupe ces derniers temps, notamment en France, et en tenant compte de ses bienfaits on ne peut que suivre la vague. Le chou kale est une variété de chou frisé très nutritif, il comprend notamment du calcium, des vitamines A, K et C, du manganèse, du magnésium, du fer et des antioxydants. Le chou kale possède aussi des vertus minceurs. Il est faible en calories, 36 calories/100 g, et riche en fibres qui ont un effet rassasiant.
Ces dernières stoppent le passage du sucre dans le sang, ce qui prévient les montées de glycémie et donc le grignotage. La betterave est un légume qui mérite toute notre attention. Elle contient beaucoup de nutriments nécessaires au bon fonctionnement de l'organisme comme le fer, le phosphore, le potassium et les vitamines B9, B2, A et K. Elle est aussi riche en antioxydants et en fibres alimentaires qui améliorent la digestion et favorisent le transit. En outre, la betterave est pauvre en calories, bien qu'elle soit considérée comme l'un des légumes avec la plus haute teneur en glucides. La betacarde. La betacarde est un légume peu connu, mais dont les vertus sont non négligeables. Riche en vitamines et minéraux, elle est considérée comme un puissant diurétique et anti-cancer. La betacarde est aussi un excellent aliment minceur, grâce à sa teneur en fibres et en protéines, et à son faible apport calorique, 20 calories / 100 g.